Bonsoir tout le monde, non pas c'est Yvenson Frank, moi content avec vous pour présenter le téléjournal là dans quelques secondes. Donc allez, grand titio. Mais puis gros point cap dominé actualité a pour jeudi a reine pays Espagne, sa majesté Laetitia Ortiz mettez bout jeudi a avec visite de jour li réalisé dans pays a avant reine nan aller li visiter ensemble avec première dame lan Martine Moïse diverses institutions tant qu'au centre Saint-Vincent Paul dans Cité Soleil musée Panthéon National Haïtien président République la Jovenel Moïse qui te gain à cli première dame lan premier ministre Jacques Guilla Fontan recevoir reine Laetitia Ortiz dans palais national. Ministre Kilti ak communication Joseph Guilherme Delva condamné Zach Brigandaille employé factory au fait mardi 22 mai dans cadre manifestation y été organisé ministre a rappelé c'est dans dialogue tout dossier à régler pendant l'annoncé y ont ensemble mesi accompagnement en faveur employé dans factory. Président République là Jovenel Moïse visité travail qu'a fait dans rivière Moumance dans Léogane week-end passé à chef l'État renouvelé volonté pour tirer toute rivière qui compte à bail problème dans PIA dans cadre caravane changement. Ministre Affaires sociales et travail la Stéphanie Auguste présenté système information au ministère Affaires sociales et travail mercredi 23 mai 2018 là Zotissa qui portait nom Simast bral permettre l'État haïtien ensemble avec Patnelio gain information sous quantité monde qui plisse dans situation difficile dans le pays. Rectorat Université de l'État d'Haïti a organisé mardi 22 mai une cérémonie hommage pour professeurs, membres personnels, retraités et étudiants dans l'Université de l'État d'Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, sommet États-Unis et Corée du Nord capable de reporter. Il y a une information président américain confirmé pendant le tap recevoir mardi 22 mai Tokai, Sud-Coréen Lee. Moon Jae-in. C'est tout point ça que nous allons développer pour dans un petit moment. Restez branchés, Naptonin. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Pour commencer, nous allons voir comment conditions de temps et à collaborateur nous, Wilner Polidor. Mercredi 23 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Je n'ai en avoir comment conditions et temps très stable sur le pays et en pile. Vent cap soufflé en aoué qui sac fait ça. Malgré nous gain humidité dans les basses couches, c'est-à-dire à 700 HPA, mais zone de haute pression toujours a influencé conditions météorologiques là et c'est une zone, une large zone de haute pression qui influence vraiment toute région hein, et dont Haïti en bas en pile vent avec gros soleil et situation ça a généré un alizé d'est, on parlait de un alizé, c'est un vent d'est qui a vraiment soufflé sur toute région hein, et dont Haïti fait partie. Mais gain possibilité pour gagner quelques gouttes la pluie pour asseoir et au cours de l'an si tout sous quelques zones de la cité là département Artibonite, le bas de l'Artibonite, le centre. Nous avons aussi le sud-est et le sud concernés par quelques averses la pluie qui gagnent vraiment en soirée. Peut-être au cours de nuit là, mais c'est vraiment quelques gouttes liées et averses à l'eau isolées sous département de notre cité là. Mais pour respect, il y a c'est beau temps avec les étoiles là bien dans le ciel là au cours de nuit là et puis vent cap continuer souffler non seulement jeudi à demain après demain pendant week-end là aussi n'a bien gros vent cap souffler sous pays là et jusqu'à lundi pour capitale avec zone qui environne lieu c'est un capital cap vu de beau temps avec zone de haute pression n'a bien vent cap souffler sous capitale là journée était vraiment ensoleillé et température nous l'a monté jusqu'à 35 degrés pour jodi a et puis bah la descente c'est 24 degrés et non seulement on a senti effet de chaleur au cours de journée a mais aussi pendant la nuit là parce que la fait très chaud mais toujours gain possibilité pour gagner quelques gouttes surtout au sud de capitale Port-au-Prince mais dans l'ensemble c'est beau temps sur tout le pays a non seulement pour jodi a demain après demain au cours de week-end là la mer a agité non seulement sous côte nord et côte sud par rapport avec zone de haute pression mais golfe de la Gonave vent lié un peu agité, la mer un peu agité, capitaine est capable de naviguer, sauf que faut qu'il évite fond la mer parce que au large, la mer est
agité à faute. Il faut que vous preniez en pile précaution. Et pour page astronomique, aujourd'hui, soyez là à coucher à 7h19 minutes et la pleuvée demain matin à 6h13 minutes. Mesdames, messieurs, merci pour faire l'histoire avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. J'ai noté annoncé l'antitio président République là Jovenel Moïse visité travail qu'a fait dans rivière Moumans dans Léogane week-end passé un chef d'État renouvelé volonté pour tirer toute rivière qui qu'on a bail problème dans pays là Léo descend dans cadre caravane changement. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Visite ça permet président République là Jovenel Moïse constater à Dégil état d'avancement travail yo. C'est 10 km curage qu'a gain pour fête dans rivière Moumans, sorti juste dans monde côté tête rivière Ayé pour al bout juste dans bouche la mer. Chef l'état dit li conscient de dégâts rivière qui konn bay problème yo sou bien paysan yo. Dans sens ça li dit li tande cri tout monde qui en bas menace rivière sa yo. Li invité yo rete calme, y a travail pour curer rivière yo yon après l'autre. Côté gain 10 km de curage pour fête sur rivière ça cap sorti depuis côté rivière a sorti dans deux mondes pour arriver juste dans la mer. Nous avons travaillé pour que nous curions toute rivière qui compte des problèmes dans le pays. Rivière Moumansé, qui compte un pile de problèmes, il y a une inondation. Les gens qui vivent dans la zone de Borisitla, l'eau prend à faire, l'eau prend jardin. Maintenant, nous avons travaillé pour mettre l'eau dans le rôle pour que la rivière suspende faire des dégâts dans le pays. Je dis tout le monde, gardez calme, nous connaissons le travail, pas qu'à faire un seul coup. Mais nous déraper, parce que j'en entends des pile monde qui parle, mais ça qui est important, nous déraper tout le travail et nous nous garantir pendant le mandat que nous avons toute rivière qui a des problèmes dans le pays, nous avons curé tout. Député Léogane, Jean Wilson Hippolyte salue l'engagement chef l'État pour curer rivière Moumans dans Léogane, qui te compte toujours mettre de l'eau dans la population léoganaise là. Les croix initiatives, ça, c'est récompense moun Léogane commencer à bénéficier d'une place votée. Parlementaire a annoncé qu'il y a une passerelle qui a créé sous Rivière pour faciliter va-et-vient population, même si Rivière a descend. Le président déterminé pour le bon service dans la commune Léogane, il est déterminé pour le bail population service, n'a pas demandé population léoganaise pour le tête frette pour le temps de service sur Rivière sous lui. Nous avons un gros travail qui commence, les travaux de construction de la route de Dorbonne. Bientôt, les travaux de construction de l'avenir colonial, oui, ça ira, et d'autres chantiers encore pour l'ouvrir dans la commune. Nous demandons des populations pour attendre nous, rester pour te coller avec nous, rester soudés avec nous. Pas attendre ça, et l'autre monde a dit, qui peut être dans l'opposition stérile, dans l'opposition négative, pour rester attaché avec nous, c'est pour ça que vous avez voté, c'est pour que votre. Yo te ban nou an, à tous les niveaux, députés Kazek, Azek, délégués de ville, sénateurs, présidents, c'est pour que nous devons tourner votre sa sous forme de service ba yo. Curage Rivière Sayo fait partie promesse électorale président République là face à dégâts Rivière Sayo te kon fait dans pays a. Travail qu'a fait yo pral permettre Rivière yo tourner dans cabane yo, ça k'ap empêcher moun victime dans époque la pluie ak cyclone. Rectorat Université l'État d'Haïti a organisé mardi 22 mai une cérémonie hommage pour professeurs, membres personnels retraités et étudiants à l'Université l'État d'Haïti. Objectif cérémonie ici là, c'était honorer 13 professeurs et membres personnels là et puis 3 étudiants pour travail réalisé dans UEH là. Reportage à Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Cérémonie au Maïsa, c'est l'occasion si tout pour rectorat Université d'État d'Haïti remettre plaque honneur et mérite par 12 professeurs et membres personnels retraités qui passaient en 30 à 47 l'année dans le service Université d'État d'Haïti. Professeur Alex René recevra cadeau pour prix 2017 Société haïtienne Histoire, Géographie et Géologie. Étudiant Jean-Ederson Jean-Pierre et James Plaisimont jouent cadeau pour prix concours rédaction scientifique ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Étudiant Danoval Charles recevra cadeau pour prix concours plaidoirie sous droit moun, bureau droit moun en Haïti. Personnalité spéciale cérémonie au Maïsa, c'est ancien recteur UEH là, Jean Vernet Henry. C'était avec engouement recteur actuel là, Fritz Deshommes, présentait plus passé une dizaine de travail ancien recteur a réalisé dans UEH là.
C'est sous mandat de Jean-Bernard Henry que la notion de laboratoire de recherche vient brancher. Et très rapidement, nous avons gagné le premier laboratoire de recherche dans tout le pays qui est habilité à recevoir des doctorants. C'est sous mandat de Jean-Bernard Henry que les éditions de l'UEH créées et tout le monde connaît fonction d'une maison d'édition dans une université pour la recherche, pour l'enseignement, pour les services à la communauté. C'est sous Jean-Bernard Henry que l'université a commencé à mettre base pour le fonctionnement des enseignants-chercheurs à travers l'augmentation du nombre des professeurs à plein temps et à travers tout, ils ont début de réglementation. C'est sous Jean-Bernard Henry que l'université a créé ses premières revues. Pas, bah, je dis que c'est la première fois que l'université a créé une revue, et puis une autre revue, mais revue de l'université. Et c'était une rêve, Jean-Bernard Henry, pour que l'université d'État gagne deux grandes revues. Une revue des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, qui c'est Chantier, la revue Chantier, et une revue en sciences pure et appliquées, qui c'est RED. Ancien recteur UH, là, Jean-Vernet Henry, pas de cacher sentiment qu'a traversé l'île dans l'occasion. Il exprime sa satisfaction pour quel programme il a réalisé dans UH, là, l'IOE, qui toujours a marché. Je veux vous remercier. Ouais. Université a du fait que, bon, il y a un ensemble de bagailles que je fais, mais que je contribue là-dedans, pas que moi, je me fais une excuse, je contribue là-dedans, je mène là et moi, je marche, je gagne une reconnaissance. Bon, ça va être une satisfaction. Moi-même, moi, je suis un monde qui débute dans l'université A, je passe tout état, je passe moniteur, assistant professeur. Professeur, moi vin assistant directeur de département, vice-doyen, etc. Jusqu'à ce que, il me fait tout échelon dans l'université. Et, bon bagaille, mon ami Fritz dit tout, enfin le recteur, j'ai toujours choisi de travailler à l'université d'État. Cérémonie hommage pour professeur et mon personnel retraité et puis étudiant dans l'université d'État d'Haïti. Déroulé en présence plusieurs doyens, professeurs et étudiants dans l'UEH là. En même temps, quelques membres de famille et amis qui t'ont accompagné Mounio honoré. L'autre information, ministre Kiltia Communication, Joseph Guilherme Sedelva, condamné Zach Brigandaille, employé factorio, fait mardi 22 mai dans le cadre de manifestation qui a été organisée. Ministre Guilherme Sedelva, quoi c'est dans le dialogue tout dossier a réglé pendant l'annoncé, ils ont ensemble mesi accompagnement en faveur employés dans Factorio. Il y a un extrait dans le micro Richardson Jordan à Calor d'Arly Jean-Jacques. Dans ce tapis, le parc industriel là, côté gagné des actes de brigandage qui fait que nous condamnés, parce que si gagné des monde qui voulaient manifester ou bien un syndicat qui dit à réclamer doyau, Gonjan vous fait ça. Ou pas gain droit pour apprécier briser. En dedans, son api a même gagné des actes de violence qui gagné vite écrasé, gagné des actes de brigandage qui fait que nous n'avons pas pensé que des mondes qui disent c'est syndicat ou bien c'est des ouvriers pour entrer dans le même lieu que toi travailles là pour faire des dégâts. Et ça a effrayé investisseurs qui voulaient venir investir dans le pays et particulièrement dans le secteur ça. Il y a des revendications qu'il a fait passer, mais nous disons que c'est pas une violence pour le fait. Et il y a une procédure qui est en place pour arriver à fixer un salaire minimum. C'est pas le gouvernement qui est pour le faire, c'est le conseil supérieur des salaires qui est pour le faire et qui est là dans le patron, qui est là dans le syndicat et tout. Et donc, avec le gouvernement, donc nous devons attirer l'attention sur ça. Et dans le cadre de mesures sociales tout, que le gouvernement apprend pour adresser des problèmes que les gens qui sont plus bas ont subi,
et même des chauffeurs, parce que chauffeurs et tout, il y a une population, il y a un problème partout, et bien, au Fatma, bon programme que au Fatma a mis en place là, pendant la palais là, avec le gouvernement haïtien, pour bail assurance à 500 chauffeurs. 500 chauffeurs pour être capable de bénéficier de assurance leur malade pour être capable d'aller à l'hôpital. Tout ça, c'est des efforts que le gouvernement a fait. Par exemple, dans le parc industriel là tout, au Fatma, déployer des équipes qui sont sur place à aider collecter informations, collecter données pour bail mounio carte de santé. C'est des bagages qui ont fait qui en cours pendant que nous avons parlé là. Donc, il y a un pile d'investissement que le gouvernement compte faire et il commence à faire, qu'il compte renforcer dans la question sociale, qui fait que des mesures qu'il peut prendre pour l'État capable de booster l'économie avec, par exemple, taxes pour le collecter, recettes pour le collecter, donc la population en même temps est capable de joindre un soulagement avec l'investissement qu'il a fait sur le plan social. Ministre Affaires sociales et Travail là, Stéphanie Auguste fait présentation système information ministère Affaires sociales et Travail mercredi 23 mai 2018 là. Les outils information ça qui portait nom SIMAST Bral permettent l'État haïtien ensemble avec Patnelio gain information sur quantité moun qui plissent dans situation difficile dans pays a travail pour mettre campé système ça arrivé possible grâce à participation USAID et puis Union européenne. John Herbie Casseus et Hervé Pierre a présenté un reportage. Système information ministère affaires sociales et travail là SIMAST c'est un outil informatique qui gagne la donne une série d'informations sur situation sociale et alimentaire moun ki pi pov nan peyi a d'après ministre affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste. Selon ministre information sa yo doué permettre l'État haïtien pi bien coordonner assistance y a bay population. Après 4 ans de coopération, de support technique de l'Union européenne, de PAM, de l'USAID, côté Kounia là, nous officiellement nous sortis ces concours sont un petit monde qui était en conception, jodi a li accouché, li fait nous montrer qui sa système nan ye, et li lè li temps pour Haïti gagner un registre unique côté c'est lui même qui dé qui kembe toute information et non comme international nan comprendre c'est pas qui pour gagner information mais c'est nous-mêmes qui pour gagner que eux-mêmes yo ka vinn approprié de lui. Ambassadeur États-Unis en Haïti, Michel Sizon souhaitait information cap sorti dans Simasio doit rester comme élément fiable et référentiel pour toute entité qui t'a souhaité utiliser données ministère affaires sociales et travail pour venir bailler aide en Haïti. J'espère que tous vont utiliser Simast dans leur travail pour soutenir le peuple haïtien. Nous espérons aussi que SIMAST contribuera à réduire ou à éliminer la perte d'informations importantes à la fin de la période d'exécution des projets de développement ou la protection sociale. Et nous espérons que SIMAST se développera dans les années à venir comme plateforme de partage de données et d'adoption de mesures communes pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux objectifs communs. Les résultats de ce nouveau système seront démontrés aujourd'hui. Suite à l'apport de l'USAID, notre assistance bilatérale, cet effort créera une base de référence non seulement au niveau du développement technique d'un système basé sur le web, mais aussi par le biais d'activités de renforcement des compétences des cadres du MAST, ainsi qu'avec des enquêtes menées auprès des ménages au niveau des communes. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Desjers Soubopal, souhaitait les outils ça tourner un véritable registre de protection sociale dans le niveau national. Une façon pour permettre aux gens qui en ont besoin, de venir grand monde tête. Et là, avec cet outil, nous allons franchir un pas. Nous allons non seulement avoir une base de données des plus vulnérables, mais aussi des indications sur quelle est leur situation familiale, quelle est leur situation en termes de malnutrition, et qu'est-ce que l'on peut faire, quels sont les besoins qu'ils ont, et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière plus pertinente. Ministre Affaires sociales et Travail, là, Stéphanie Auguste, expliquez au ministère qui est enregistré dans la base de données, plus passer 1 million de monde qui sont en situation vulnérable dans 6 départements. SIDES,
Nord-Ouest, Latibonite, l'Ouest, Centre et Grand-Anse. Société haïtienne aide pour avec yo, CHA, lancé commission communale accessibilité Delma, mercredi 23 mai 2018, là, dans le palais municipal Delma. Docteur Michel Péan, coordonnateur national CHA, croit commission communale là, c'est un outil pour aider services social fondamental yo exister et respecter en faveur moun handicapé yo en dedans commune. La mission est claire. C'est pour assurer que moun handicapé et moun qui en situation de vulnérabilité en général, tant que grand moun yo, tant que par exemple les femmes enceintes, les femmes en général, pour que li assurer que toute catégorie sa yo capable bénéficier de services qui disponibles dans la commune. Pour yo même tout, yo capable bénéficier de services. Parce que services yo existent. Et puis, ils ont même l'air paraît dans l'hôpital, et puis ils n'ont pas sorti pour prendre en considération besoin. De même qu'au niveau de la justice, nous dit que ça n'est pas possible. Et ça fait partie tout de ça, les cultures de non-respect des lois en Haïti. Mouniodou, constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. En nous-mêmes, par rapport à la loi, sous cause de handicap, mon cher, nous goûtons pour que la loi ça existe. La loi, ce n'est pas un cadeau de l'État que vous avez. Absolument pas. Donc, c'est goûtons mon handicap pour que nous arrivions à une loi. C'est goûtons association, institution mon handicap pour nous arriver à une loi. Eh bien, nous-mêmes, nous réalisons tout, il faut que nous goûtons pour application. Yon délégation direction centrale police judiciaire DCPJ Droué Ragno avant longtemps dans le pays Chili pour aller faire prélèvement empreinte pour plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent Chili dans le cadre de régularisation dossier yo par rapport à la nouvelle loi sous immigration gouvernement chilien fait adopter. C'est ça, président commission justice là, Jean-Ronel Senatus, fait qu'on est après une rencontre mercredi 23 mai 2018. Là, il était gagnant avec ministre justice là, ministre intérieur Jean-Audi Ali, avec Jean-Marie Reynaldo Brunet. Bon côté pâle, sénateur Pierre-François Sildor, fait qu'on est là, continuer à encourager le gouvernement dans quatre démarches là fait pour régulariser la situation. Compatriotes Noyo qui n'ont pays Chili. Un extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons semaine dernière là, le ministère des Affaires étrangères t'a pris engagement, il t'a dit rapidement l'argent que Timonio t'a payé $80 pour une pièce l'autre bois qui se certifie à bonne vie et Merslan, il t'a réduit à $25 américains. Nous t'a continué à regarder ensemble avec l'autorité comment traitement après lié, mais la DCPJ qui est sous tutelle ministère de la Justice, li pral gen mission pour le voyer un groupe policier au Chili qui pral gagner pour traiter sur les lieux mêmes dossier ressortissant nous cap gagner pour venir demander certificat bonne vie et meurtre ça ou les casiers judiciaires là. Alors que l'ONI lui-même qui est sous tutelle ministère de l'Intérieur, li pral gagner pour livrer des certificats puisque tout le monde a gagné dans mes déjà alors majorité là dans gagné des cartes qui ca identifier mais qui capable expirer ministère là pral gagner pour émettre des certificats pour montrer que monde ça yo c'est haïtien natif natal. C'est pour dire n'a continue travail jodi a nous entend nous n'a fait synergie pour nous aller au secours yo et nous là nous devons saluer travail qui déjà effectué par exécutif là dans le sens que vous avez déjà penché sous question et gain des réponses que vous bail gain des papiers que vous venez avec nous pour montrer comment il a avancé nous bat bravo pour ça et n'a dit haïtien haïtien qui au Chili yo n'a avancé sous yo n'a travail pour regarder comment capable porter réponse et même le Sénat dans cadre travail contrôle long a envisagé yon tourner de contrôle là-bas pour regarder est-ce que tout engagement qui prend ici yo est-ce que il a respecté à la lettre nous même nous
là pour nous fournir toutes pièces qu'on a besoin pour le travail. C'est en ça nous y est, c'est une demande que vous faites. Et nous là, comme l'État, c'est-à-dire que ce soit la justice qui est là, que ce soit le Parlement, l'exécutif, pour nous répondre à demande. Et ça nous connaît, c'est que c'est une demande qui a jusqu'à juillet 2019, mais il prend pile temps. C'est ça qui fait qu'on focus sur lui-même. Et on a toujours fait rencontre ça pour nous voir ce que si déclaration au niveau des exécutifs à l'Ikembe pour permettre maintenant jeunes citoyens et citoyennes de jouer un dossier à temps. Ministre intérieur à collectivité territoriale, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dit qu'il y a plusieurs ministères qui mettent tête ensemble dans le cadre de dossier ça, qui ont pile importance pour le gouvernement. Ministre Brunet, bah, garanti avant moi, j'y ai arrivé, gouvernement a déjà délivré toute pièce qui est nécessaire pour les compatriotes nous. En suivre. Le gouvernement chilien a demandé nous et qu'il y a PDO et qu'il y a besoin de certaines pièces. Et que pour cas peut-être régulariser cas et haïtien pareil nous qui au Chili. Quantité par rapport à quantité moun qui gagne l'autre bois et puis par rapport à quantité prélèvement que a fait justement empreinte et dans des CPG que a fait la Kounia qui au nombre de 100 si on prend quantité haïtien ça qui au Chili puis on t'a fait 100 par jour il t'a prendre au moins 3 ans pour ça t'a régulariser. Or nous avons délai jusqu'à juillet 2019. C'est là que nous avons une nécessité, afin de une nécessité pour nous faire une synergie ensemble pour nous voir peut-être nous aider Frein Action qui est au Chili. Donc c'est ça que fait qu'on y prend des dispositions pour y envoyer de monde directement au Chili avec de nouveaux matériels justement pour y aller travailler la journée ou la nuit pour délai à respecter pour nous voir si au moins dans 6, 7 ou bien 8 mois et que tout et ressortissant nous gagner au Frein Action qui est au Chili pour voir si vous avez joué un papier ça pour régulariser. Toujours dans le cadre de dossier ça, ministre de la Justice là, Jean Rodiali, fait qu'on a un gouvernement prend toute disposition pour régulariser la situation compatriotes nous qui vivent dans le pays Chili avant délai mois juillet gouvernement chilien Mandéa. Ministre Ali confirmé DCPJ ak Office National d'Identification apprend au Chili pour bail compatriote Piesio. Un extrait d'un micro Fedner confident ak Moïse Wilbridge. Ensemble de ministères qui concernaient, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, nous avons travaillé ensemble pour adresser ce problème. Comme ça, nous avons désigné des policiers qui pourraient aller au Chili, et les matériels que nous avons besoin, nous avons travaillé sur ce dossier pour permettre que les citoyens qui vivent au Chili soient capables de joindre une réponse à problème qui gagnent, à savoir problème pour gagner certificat casier judiciaire, on a dit certificat de police, ensuite document d'identité que tu as besoin, l'ONI qui relevé du ministère de la Justice, disponible pour le bail certificat à Mounsao parce que c'est des gens qui identifient déjà. Si vous voyagez, vous avez un passeport, vous identifiez, il suffit que vous produisez de maintenant, il y a un certificat nécessaire par rapport à cela. Et j'aime dire déjà, la DCPJ, lui-même, est mobilisé sur question. Donc, nous travaillons de concert au niveau de l'exécutif, tout ministère qui concerne. Pour être capable d'adresser ce problème en temps réel. Voilà. Nous arrivons au moment pour nous prendre un coup de pause. Restez branchés, Naptounet. Nous retournons après pause la reine pays Espaïla, Laetitia Ortiz, accompagnée première dame République Lamartine Moïse, visité mercredi 23 mai à diverses institutions dans le pays, tant qu'au centre c'est Saint-Vincent-Paul dans Cité Soleil. Musée Panthéon National Haïtien, visite Reine Espaïla, bout dans lycée Alexandre Pétion, côté il rencontrer divers responsables, professeurs et élèves lycéens. Un compte rendu, Rachel Saint-Fort et Evans Joseph. C'est une ambiance qui est content. Responsable Centre Saint-Vincent de Paul dans Cité Soleil, yo recevoir Reine Pays Espaïla, Sa Majesté Laetitia Ortiz, à Première Dame République Lamartine Moïse, mercredi 23 mai. Champo et Magdan, c'est parmi diverses performances élèves l'école Saint-Louis de Marie-Lacquio offrit dans l'occasion pour dire Reine Espaïla à Première Dame nan bienvenue. Activité ça te occasion tout pour Reine Espaïla, Première Dame République là avec ministre intérieur à collectivité territoriale là, rencontrer responsable Saint-Lan, professeur, élève, garder travail religieux à faire dans Saint-Lan dans domaine éducation et santé.
responsable Centre Saint-Vincent Paul de Cité Soleil, offrit divers cadeaux par Première Dame Nan Martine Moïse et puis Reine Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz, comme symbole fraternité, amitié, solidarité entre deux pays. Tout de suite après Saint-Lan, président République là Jovenel Moïse à Première Dame Nan Martine Moïse accompagné Premier ministre Lan Jacques Lafontaine recevoir Reine Espagne là dans Palais National. Musée Panthéon National Haïtien, c'est troisième espace Reine Espagne là accompagné Première Dame République là visité côté rencontrer femmes qui représentaient divers secteurs dans pays là parmi eux ministre conditions femmes et droits femmes Nan Enid Innocent, directrice générale Mupana Michel Frisch, directrice générale Institut Bien-être Social et Recherche là Ariel Gentilville Douin. Série visite Reine pays Espagne là Sa Majesté Laetitia Ortiz bout dans lycée Alexandre Pétion côté Reine Espagne là rencontré professeur qui bénéficie projet coopération espagnole là à divers élèves lycéens qui profitent occasion pour montrer la nécessité pour renforcer apprentissage langue espagnole là dans pays là et puis remettre li yon portrait yon élève l'école la fait. L'autre point, ministère défense ak yon délégation militaire mexicain mette bout mercredi 23 mai nan 3 journées travail yo tap organisé nan Port-au-Prince d'après ministre défense lan Hervé Denis. 3 journées travail sa yo te permet depati yo discuter sou comment gouvernement capable mette force l'armée d'Haïti campé nan service développement pays d'Haïti. Yon extrait. Au début de semaine nan et nou te gen négociation que nou tap mené avec Mexique pour nous développer coopération en génie militaire. Et donc, il a commencé depuis la dernière visite au Mexique et ensuite il poursuit avec notre délégation, notre ambassade au Mexique. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est une étape de plus dans la coopération que nous-mêmes avons avancé avec Mexique qui a une très grande expérience dans la question d'armée, parce que l'armée est une armée très professionnelle, son armée qui est au service du peuple mexicain, son armée qui participe en pile dans toute question de catastrophe naturelle, ils ont une très grande expérience, et nous trouvons que c'est un partenaire idéal que le pays nous est capable de jouer pour et nous capable d'avancer dans la cause que nous-mêmes nous baillons nous pour nous mettre sous pied l'armée d'Haïti, mais une armée tournée résolument vers le développement et qui va lutter contre catastrophes naturelles qui prend plus droit que la Constitution Bali selon et que protéger les frontières nous, protéger, assurer la sécurité pays. Donc nous croyons que nous avons continué le travail là. 2 journées de travail ça te permet nous commencer à jeter base et tout qui ça qui est capable de dérouler et par la suite. Et moi, je dois dire que c'était très fructueuse. C'était très intéressante. Et je vais le suivre. Et donc, au accord de mémorandum de coopération, et qui lui-même va vraiment et finaliser tout ça. Et nous-mêmes, nous avons fini le travail sur les détails de ce mémorandum pour que d'ici là, d'ici peut-être le mois prochain, nous capables de signer. Soit nous avons souhaité que le ministre. Et le secrétaire de défense et Mexico a capable d'initier tout même déplacer, mais en tout cas, et ceci importe peu, mais c'est surtout que n'a pas avancé dans ce sens-là. Fédération nationale association pour production à commercialisation mango FENAPCOM a tiré attention autorité sous problème y a pas confronté non en production à commercialisation mango pendant une conférence mercredi 23 mai 2018 là secrétaire général FENAPCOM l'en Israël lui mandé accompagnement technicien agricole pour paysan yo yon façon pour rendre production à commercialisation mango en dans pays a plus performant en côté plus explication dans micro Lunel Jean-Louis ak Moïse Wilbridge. Nous voulons adresser à la quantité dans l'État, MARNDR, pour le déléguer, presser une équipe technicien pour venir faire un diagnostic pour nous joindre qui côté problème dans sorti. Et puis, cap dit nous si pas qui existait pour nous qu'embé campagne l'autre campagne. Nous avons besoin d'une étude terrain et puis un support financier cap aider nous qu'embé l'autre campagne agricole. Gros campagne agricole a commencé avec la plia. Maïs, diri, pois Congo, kilti maraîcher avec légumes.
Campagne sa yo, c'est Mangoua qui compte toujours financer yo. Importance filière Mangoua capital pour assiette fiscale l'État, pour petit producteur capable de vivre dans dignité. Mais besoin nous clairement. Un support technique cap chercher cause et solution production Mangoua. Un accompagnement financier pour producteur cap vivre sans assurance. N'a pas rappelé que filière Mangoua générait plus de 40 000 tonnes et pour 2 milliards goudes chaque année et puis il fait 15 000 familles à toute communauté côté famille ça a évolué. Union visionnaire pour encadrement social à agricole annoncé mercredi 23 mai en séance formation dans domaine élevage poisson activité ça cap gain pour réaliser dans mois juin avec GIEC cap vinila visé permettre plus entreprises et employés créer dans secteur yon façon pour diminuer chômage dans mitan population d'après coordonnateur UVSA Jean-Patrick Delima extrait dans micro Elisa Colo et Henri Robert Chéris. Pour entrer directement dans la question pisciculture qui c'est élevage de poisson d'eau douce. Nous avons formé plus passé 2000 monde déjà dans le domaine là et moun sa yo pi fò la de travail. En général, poisson gon paquet importance pour corps moun, li aide corps moun bien développé, li combat un paquet maladie. Et c'est pas seulement ça poisson gagné. Pas moyen de poisson qui arrive à faire l'argent ou qui arrive à créer propre entreprise avec moins que 50 000 gouttes. Qui donc, ou qui arrive, domaine poisson, le simple et le facile. Surtout pour espèce ça, ou les tilapia. Dans l'espace 4 à 6 mois, poisson ça est en bon pour manger, pour vendre. Et nous avons tout profité aux belles occasions ça. Pour inviter tout le pays à une série de formations qui arrivent ça à bien pour l'organiser. Dès juin, dans Pétionville, dans la zone Mayotte, 9 juin, dans Croix des Bouquets, Duval 22, 16 juin, dans Ville Jacmel, Concorde Night Club, 23 juin, dans Ville Jérémy, 29 juin, dans Gressier, 30 juin, dans Pocay, 6 juillet, dans Mibalais, 7 juillet, dans Saint-Marc, 13 juillet, dans Saint-Louis du Nord, enfin, 14 juillet, dans Ville au Cap. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné. Actualité à bras poursuivre, nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau, sommet États-Unis avec Corée du Nord, capable de reporter. Une information, président américain confirmé pendant le tap recevoir, m'a dit 22 mai, Tokai Sid Coréen Lee Moon Jae-in, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, remettait en question rencontre ça, en pile mon apton qui prévoit pour 12 juin cap vini là. Kim Jong-un pas apprécié manœuvre militaire qui tombait entre Washington et Séoul là, ensemble avec pression sous arsenal nucléaire là. Pour le président américain, pas de doute, attitude de Kim Jong-un a changé après plusieurs visites de l'IFEC réalisées dans la ville Pékin. PDG Facebook, là, Mark Zuckerberg, présenté devant Européen Yo, mardi 22 mai 2018. Là, Mark Zuckerberg présenté excuse-lui pour contrôle li manqué mette sous réseau A, d'après Européen Yo, excuse-yo Pacifique. En suivant. Comment vous voulez pour nous songer, tant que vous n'avez géant Internet, yo, soit un génie raté qui crée un monstre numérique qui détruit la démocratie, nous, yo. C'est à question ça, yo, audition PDG Facebook, là, Mark Zuckerberg, déroulé devant le Parlement européen, à mardi 22 mai. Mark Zuckerberg, bon côté parle, t'es présenté européen, yo, excuse-li, parce qu'elle te permet de faux nouvelles rentrer sous plateforme LIA, et puis la cause film Cambridge Analytica, puis y'a donné plusieurs millions d'utilisateurs réseaux sociaux, là. Tant que l'elle était devant parlementaire américain, yo, Mark Zuckerberg déclarait li paraît pour accepter un minimum contrôle et puis promettre pour le conformer. Intervention PDG Facebook là soulevé collègue européen yo, côté au dénoncer pouvoir réseau social là, d'après un député conservateur européen Manfred Weber qui estimait le temps pour discussion tant mais sous monopole Facebook gagné d'après député a trop pouvoir concentré dans un seul monde.
Mais quelques points nous ont développé pour dans le journal là. Reine pays Espaïla, Sa Majesté Laetitia Ortiz, mettez bout de jeudi à avec visite des jours. Les réaliser dans le pays là, avant Reine aller les visiter ensemble avec Première Dame Lan, Martine Moïse, diverses institutions, tant coup, Centre Saint-Vincent Paul dans Cité Soleil, Musée Panthéon National Haïtien, Président de la République, la Jovenel Moïse, qui était à Cli, Première Dame Lan, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, recevoir Reine Laetitia Ortiz, dans le palais national. Ministre Kilti à communication, Joseph Guiller Cedelva, condamné Zach Brigandaille, employé, factory au fait mardi 22 mai, dans le cadre de manifestation qui a été organisée. Ministre a rappelé, c'est dans dialogue, tout dossier à régler pendant l'annoncé, ils ont ensemble, mais y accompagnement en faveur employé dans Factorio. Président République la Jovenel Moïse visité travail cap fait dans rivière Moumans dans Léogane week-end Basséa. Chef l'État renouvelé volonté pour tirer toute rivière qui qu'on a bail problème dans pays dans cadre caravane changement. Ministre Affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste présenté système information ministère Affaires sociales et travail mercredi 23 mai 2018, là, Zoutissa qui potait non Simast, bral permettre l'État haïtien ensemble avec Patnelio gain information sous quantité monde qui plisse dans situation difficile dans le pays. Rectorat Université l'État d'Haïti organisé mardi 22 mai en cérémonie hommage pour professeurs, membres personnels retraités et étudiants dans l'Université l'État d'Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, sommet États-Unis à Corée du Nord capable de reporter une information président américain confirmée pendant le tap recevoir mardi 22 mai à Tokai sud-coréen Moon Jae-in. C'est là nous mettons en bout dans le journal là, puis prochain rendez-vous avec moi c'est pour demain. Là, je souhaite nous toutes passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.